Bienvenue, صحة عيدكم، عيدكم مبارك، تعيدوا بصحة ولهنا. Nous sommes très heureux de vous accompagner en ce premier jour de عيد الأضحى المبارك. Merci d'avoir choisi Canal Algérie, merci de choisir Canal Algérie et de passer cet après-midi avec nous, avec nos invités. Une pensée aussi à notre communauté établie à l'étranger qui va se brancher avec nous par Skype pour nous parler bien évidemment de leur matinée, de ce premier jour, comment ça s'est passé. Et puis mes invités, je salue ceux qui ont répondu présents à notre invitation ce premier jour de عيد الأضحى المبارك. Nous parlerons tout d'abord de coutumes et de traditions avec Madame Lila Alef, qui est une passionnée de traditions. Nous irons avec elle donc parler de ce qui se fait dans les différentes régions d'Algérie, en tout cas lors de ce premier jour de عيد الأضحى المبارك, où les rencontres familiales sont bien évidemment privilégiées, les belles tablées aussi. En tout cas, on va parler de tout ça, d'art culinaire également, tout ce qui fait justement notre identité et tout ce qui fait cette fameuse fête de عيد الأضحى المبارك. Et puis la musique sera très présente comme à chaque fois, la musique andalouse plus exactement, avec deux artistes. Nous avons la chance d'avoir deux artistes avec nous cet après-midi. Madame Nadia Wild Moussa, qui interprète de musique andalouse, et puis Monsieur Boumaza Abdelmajid qui est accompagné de son orchestre, et il s'agit de l'orchestre El Asil. Et puis des Skype de France et d'Espagne aussi, donc des Skype notre communauté établie à l'étranger qui nous font l'honneur de partager aussi cet après-midi avec nous. Donc c'est l'Aïd, nous sommes ravis de vous accompagner et je vous laisse bien évidemment apprécier cette fameuse chanson qui est la chanson qui symbolise justement cette fête que nous aimons tant avec Monsieur Abdelmajid Boumaza et l'orchestre El Asil, et on revient juste après pour accueillir tout ce beau monde. Allez, à vous, monsieur. نستغفر قبل ما نقول تنهاروا لي على النبي الرسول إبراهيم الخليل على النبي الرسول إبراهيم أتاه ملك في المنام قال ابنك ضحي سمع عليه السلام طار النوم عليه سمع عليه السلام طار النوم عليه تلت الليالي بالكمال ووقف عليك ضحي ابنك الغزال الله طلب عليك ضحي ابنك الغزال الله طلب عليك أتاه ملك في المنام قال ابنك ضحي سمع عليه السلام طار النوم عليه طار النوم عليه
لعشاق الزين زعفوا ما بالقلب حزين. يا عشاق الزين زعفوا ما بالقلب حزين، جرحت الخديل والمدامع عدي مزيانة، جعلت نار البين في قريبي والهجت وانا. أبو يا حنيني طب من خولة الليلة، عيونها في العيون الوزالة، اجمع اللي بقى الزين والفيه بدرو جهالة. أبو يا حنيني يا عشاق الزين، جرح في الخدين والدمع دي ما سيالة، في قليبي والهجت والا. أبو يا حنيني طب قلبي عريمون نترتني شوري توبيها، طلعت من الباب وعسى نوريها، وهي تقول في أول باديها هل الأندلس باول إشارة، أهل الأندلس فهموا الإشارة، هم علموا الحب للنصارى. يا من ملكت قلبي المتيم، أحبك والله يعلم، خايف لا أموت عاشق مديم، من يحبك يا قمر في ثرى، آه من يحبك يا قمر في ثرى، علشت داوي عفاكم الله. Monsieur Boumaza, merci beaucoup pour cette belle ambiance justement représentative de cette fameuse fête Eid el-Kbir al-Adha. En tout cas, je vous invite à nous rejoindre bien évidemment et puis présenter mes invités, une habituée maintenant, Lila Alef. Saha Eidek. Allah yisalmak, kol aam w enti bkhir, enti tani, w nchkrok ala al-istidafa w ala hadi al-qa'da al-shaba hadi w ala ajwa al-Eid w kol aam w enti bkhir. Merci, yatek saha Eidek d'avoir accepté notre invitation. C'est pas évident le premier jour, mais quand même vous nous avez présente à cette invitation. Merci. Et vous n'êtes pas toute seule hein, puisque nous avons aussi avec nous madame Nadia Wild Moussa. Saha Eidek. Mesa al-khair, saha Eidkoum, saha Eid koul jazairiyen ou l'aïla ou l'fannanin ou gain nas li nhebouhom. Merci. Ou choukran al istidafa. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois, toujours cette chance d'être parmi vous dans les fêtes surtout. Oui, tout à fait. Et je me sens vraiment en famille. Là, je suis avec monsieur Boumaza, avec madame, que je. À chaque fois, on revoit les mêmes artistes, c'est les vrai, mêmes. C'est vrai. On Merci. Essaye en tout cas d'être bien entouré à chaque fois. Et puis, nous a rejoint après une très belle prestation, en tout cas qui a séduit tout le monde. Hein. Monsieur Abdelmajid Boumaza, Eidek oui. Moubarak. Allah yisalmak, kol aam w antouma bkhir. N'ala adinkna bsaha w hna, inchallah. Merci beaucoup pour cette invitation et pour Canal Algérie. Je lui souhaite
صحة عيدها لكل عمالها. Tout le personnel du canal Algérie ainsi que son réalisateur, vous et toute l'équipe. Merci beaucoup. Les tanniers qu'à vous. Ils sont nombreux. Ils ont bossé à faire tout ce décor-là, Masha'Allah. Exactement. Tous nos collègues de la Régie 7 et du Studio 7 aussi de Canal Algérie. Merci d'être présents et saha'aitkoum à tous et à toutes. Donc, alors, comment vous avez passé cette matinée? J'imagine que c'était très speed. Vu qu'on avait l'émission de l'après-midi. Bah, allez, racontez-moi, monsieur Majid Moukaza. المرة هذه بكرنا شوية 6:30 كان صلاة العيد ما شاء الله يعني جاتنا في البرودة واللي عيد يعني وذبح الأضحية نتاعه إن شاء الله مقبولة لكل المسلمين والمسلمات إن شاء الله كانت في البرودة ما شاء الله سيتي بيان سيتي أغياب سي بيان باسي الحمد لله كان اللي كانت عندهم عائلات كبيرة واللي داروا الماراثون كوم توت لي فامي لا ريونيون دي فامي سا سي أغياب parce que lequel ما كانش هذه المواسم هذه واللمه هذه تاع الاحباب والاحباب اللي نزوروهم ونشوفوهم يعني ربما ننساو وانما ربي عطانا هذه المناسبه هذه لا جورني هذه اللي تخلينا شكاني نتلاقى ونشوفوا الفنانين ونشوفوا احبابنا ونشوفوا توت لي فامي اي بي ان شاء الله ينعاد علينا كل عام بالصحه ولنا اون بلوس ان شاء الله نطلبوا اخواننا تاع غزه وي افيك سو كي سي باسي يعني شي وي فوالا الله يلطف فوالا ينصرهم على اعدائهم ان شاء الله فوالا سي بيان سلا ان شاء الله ينصرهم كما قالت المدام اي بي ان شاء الله نتمنوا العاد علينا كل عام بخير والحمد لله افاك لي موتو سيت اني شويه حاجه ما باسي On va passer à Madame Moussa. Donc, comment vous avez donc pour les hommes, pour les femmes, c'est encore comment plus. Se passe leur matinée. Oui, mais voilà. Pour les femmes, Ah ben, les hommes quand ils arrivent, ils trouvent tout prêt. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Bon, cette année, il y a le sacrifice. Mais la femme, elle continue à travailler, même si on ne fait pas sacrifice. Quand même assez importante. Oui, donc ça se passe comme dans toutes les familles. La femme, elle se lève de très bon matin. C'est vrai. Déjà, ce matin. لازم الراجل من ينوض قبل ما يروح ليصلي هو اللي ينوض الاول هذيك السمنه وهذيك الشيء يعطي لا بيل تابل دو ماتان فوالا اكزاكتومون اي ريبلوت لا ماجوريتي فون لو جون وي وي اكزاكتومون في الديز دو بارف عرفه Le, premier, le, ouais. le petit déjeuner d'aide le premier jour est quand même aussi Exactement. Important. Il faut avoir une belle petite table. Et le lendemain, la femme, la pauvre, elle est c'est speed. Hein, c'est là, vrai. D'ailleurs, pour arriver ici, ça a été un peu. On a tout laissé à moi. Tout juste. Oui, voilà. On ne va pas dire on a tout fini. On est tous excusés aujourd'hui. Non, mais on a laissé. C'est vrai. Donc, Lila Halef, on va parler peut-être aussi avec vous. J'imagine que pour vous, voilà, pareil, petit déj, salat l'Aïd. Je suis bien sûr tout ce qui se fait avec l'adhiya voilà le zouj ou le rjal كامل راحوا للجامع bien sûr باش يادوا صلاه العيد le temps il dit tu vous dites le qhiwa ou tu vous dites le qidnitek et tout ou tu vous dites وين تذبحي tu vous dites كامل الوسائل هذوك اللي لازم باسكو تعرفي راه تجي القرينه شويه لا خص الموس الا خص هذه ويعجبك في هذيك الدقيقه اللي تخص الحاجه وكيجي كيما نقولوا مول البيت يسمي كما قالوا ويتقرب بها لربي سبحانه باسكو هذه يتقربوا بها الاضحيه ربي سبحانه ويذبح وبعد تبدا الاعمال الشاقه سي فري سي فري كابو شو افير دونك شو تاع الزليف نقي فوالا هادو تخليهم العشيه والصباح على بالك كي تنوضي تقلي تشوي وتواسي بور لو ديجوني ان فيت اون بريبار جوست في لو ديجوني اي بي اي جوستمون اون فا بيتيتر بارلي دي كوتشوم اي دي تراديسيون ديالنا بيان ايفيدامون كومون سو بريبار العيد الكبير يعني العيد الكبير جدو افون لو جور جي تاعنا فو سي فو زالي نو بارلي اوجوردي فو زالي ريبريزونتي سورتو ميوزيك Justement, oui, on va parler musique, bien sûr, parce que vous êtes interprète, vous êtes andalouse, voilà. mais vous représentez aussi mais aujourd'hui fièrement sûr, une sûr. Belle région d'Algérie, oui, oui, n'est-ce pas, qui est Moustranem. Voilà, Moustranem. Donc, je suis très fière. Voilà, vous allez peut-être nous parler un petit peu de vos souvenirs d'enfance, oui, de ce que vous faisiez, justement, comment vous passiez ce premier jour de fête. Oui, allez-y, Leïla. Alors, bismillah, nous allons commencer le kebch. Tu vas aller chercher le kebch.
كيجيبوك باش يشروهم سمانه من قبل وعندك الضيق ولا عندك اللي تسع تشري تشري يعني كان يقعد في البالكون. المهم عندنا نحيو هذيك الشاعره تاع ربي سبحانه. ومن بعدك ديك الليله يديروا له الحنه يديروا له الحنه ديجا يلعبوا به دراري شويه ومن بعد نديروا له ديك الحنه ونكونوا ديجا صايمين نفطروا باش وقفت عرفه. غد من ذاك ينوضوا الجيران الصباح بكري ولا دي فوا في الليل ينقيوا الساحه ينقيوا لاكور وين يدبحوا وين كما يقولوا يتعاونوا جماعات كامل الجيران كامل هذا يسلخ هذا يذبح هذا يرفد ما كاش كما نقولوا هذا وحده ولا كاين هذاك اللمه هذيك اللمه وكاين هذاك التعاون بيناتهم وتما اللي تصيبي حلاوه العيد تصيبيها حلاوتها. ومن بعد تنوضي كما نقولوا هاكي هذا راه يشوط هذا راه ينقي الدوار رايتو. ومن بعدك العشيه هاكي طيبي اما العصبان ولا بوزلو شوفي الاول ريبريزونت فريمون هاد العيد الاضحى بوزلو ديري حمامر الله الله اون جينيرال ياكلوه لو بروميي جور ولا لا لا ولا لا سا ديبون دي ريجون. شوفي حنايا دي فوا لو بروميي جور نديرو العصبان نديرو بوزلو دافي لو طون ولا غير ربي يعطي البيك سي بو ترو ولا غير ربي يعطي بركه تويتو. وغد من ذاك كيما نقولوها كي تبداي تقدري وتبدا الصداقه قبل تخرجيها جوستومون va parler تبدا الصداقه تدقي جيرانك الناس اللي ما ذبحوش الفقراء المساكين. ومن بعد طيبي حنا الحمنا دائما البروميير دي فوا نديرو طعام طعام باللحم لو دوزيام جو طعام باللحم ايتو وكاين. ومن بعدك ميم شوفي ميم تذبحي حنا كيما نقولوا في بكري كان بابا هو الكبير كيما نقولوا في خاوته مالغري يذبح بصح كيما نقولوا خاوته يجيبوا له حقه يكبروا به يجيبوا له هذيك الهديه حقه تلقى الحق يلحق. شوفي كيفاش كانت اللمه وكيفاش ونعرضوا بعضنا بعض نعرضوا بعض اللي ما كي عند هذا وي سي فريمون اون اوكازيون اون سو روتروف اون فامي باسكو باسكو ما نتلاقاوش كل يوم سوا سوا اون اي روسو بيان ايفيدامون سي با اون فيت كون باس سول افيك لا بتيت فامي يكذب عليك. وعلاش ربي دار سبحان الله شوفي ديك اليوم تسيبي الناس كاع الوجوه كيما نقولوا فرحانه بيان سور اللي ذبح واللي ما ذبحش اكزاكت تسيبي الوجوه نيره ولا لا تسيبيها مستبشره باسكو سا اون امبيونس فوالا quand même nos fêtes monsieur Bourgeois. Oui oui bien sûr عندهم حاجه عندهم ميزه. Et justement Nadia Ould Moussa est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Moussa Ganeri de l'Aïd à Moussa Ganeri. Voilà, c'est ça un petit peu avant de passer à la musique. Ça se ressemble, c'est partout. D'accord. On a les mêmes traditions. Bon الصباح يروحوا للرجال هما يسوكيبيو من الذبيحه وكلش لا فام ال بريبار تو سو كيل فو باسكو كونت يل فيان يفو توجور دو ليد اه وي وي سا بلاس وي وي ديجا توجور دو ليد يعني اكزاكتومون وي مي بون فو اتر اونيت كان ميم اون اي لوان ميتنون لي جون نو فون نو فون بلو العيد انصامبل ان فامي تو لو موند اي لا لي شوز اون ان بو شانجي بوتيتر لو دوزيام جور نديرو هذيك العضه اللي Mais sinon, bon, le premier jour, on essaye quand même. Mais bon, la plupart des familles, bon, maintenant, c'est devenu... Mais le travail est fait le premier jour, le sacrifice et tout. Mais le lendemain, il y a quand même une... On essaye de se retrouver tous. On est le premier jour, par exemple, on a chez le Qbor. C'est pas bon. Mais le deuxième jour, on y va. On a le Qbor, couché. On a les pauvres bien sûr, toujours, c'est toute la symbolique de cette fête exactement aider, et puis bon dans les plats bien sûr il faut attendre que la viande sèche que la viande pour couper le mouton et pouvoir quand même en disposer comme on veut ou ne sait trop bien sûr et bon mais sinon c'est par rapport aux plats, les plats ben nous par exemple c'est vrai que on fait le foie parce que là on peut l'utiliser on fait le matin on fait le barbecue, les abats, pas tous les abats. Oui. Donc c'est le lendemain qu'on fait hna itou hak bokbouka. C'est jim khayta avec ba. حنا نقولوا له عصبان نو حنا نعيطوا لها البكبوكه كوسكوس فوالا حنا طعام تبان شحال نصور جوستومون دي تراديسيون دونك بون مو يفو دير كو شوي ان ميلونج دو تلمسان اي موستاغانيم دونك بيان بو فو فو لو لا نو جو دي كومون في كوا سي فوالا ومستغانم يديروا هذا لو بلا كي لو ميلونج تاع كومون ابل سا بوز اللوف مع الدواره يعيطوا له السرودان
C'est un mélange de la kircha مع البوزلوف. هذه حاجه جديده. C'est très bon. D'ailleurs, c'est une sauce rouge qui met qui met يطيبوا الزليف بوزلوف voilà et on rajoute le kircha. بالحميصه وكلش. Et puis bon après on fait ce qu'on veut hein. Vous savez les jeunes maintenant nos enfants ils disent maman j'ai envie de côtelettes, je vais pas lui dire non dans les traditions, il faut c'est vrai, c'est vrai. Après bon عندنا لي نهار تاع الطبق في الكوشه هذاك obligatoire. لازم هذيك la côte qui va au four et tout. Et puis voilà, et puis l'essentiel c'est que c'est une fête qui nous rassemble tous. Exactement, et on garde de beaux souvenirs. Exactement, tout le monde est content de perpétuer justement ces traditions. Exactement. Perpétuer cette tradition. C'est-à-dire que l'idée, elle est beaucoup plus spirituelle que ça, c'est plus profond que ça. Exactement. Sinon, bon, le واحد راه ياكل tout à fait. يعني في كل ولاية عندهم عادات وتقاليد يعني ثقافة كبيرة ثقافة كبيرة كبيرة يعني هذه ما تصيبهاش في بلدان عربية أخرى ما كانش اي جوستمون ليلى يا اوسي دوتر comme on parle de tradition, de couture qui se fait à chaque fois, il y a la fameuse par exemple qui concerne bien évidemment les personnes qui sont fiancées. Oui, la fameuse mihiba, elle est différente, celle-ci est différente de celle de l'Aïd Sagrera. Le mihiba, tchiri kima koulou maqbel, tchiri tchiri la hwija, même pour l'Aïd Sagrera. ولا غوب دوتيس جيب لها حقها فوالا باسكو راهي محسوبه دوك منك هي مخطوبه ايتو ودي هذاك ديري هذاك الفخذ تاع ديري له لو الحاشيه وديري في السيلوفا لازم وتدي كيما نقولوا تدي قريعه ريحه وتدي له هذاك القفطان ولا تكبري بيها باللي راهي عروستك وفهمتي اون جينيرال جوستومون اون اي روسو شي لا امالي العروسه كيل جور لو دوزيام لي فوا لو توازيام جور عندك حبابك وناس كيجوك وتروحي تغافري لو بروميي لو دوزيام جور لو توازيام جور لو كاتريام جور تروحي داكور اي سيت تراديسيون دات دوبي لون من زمان الزمان هذه من زمان الزمان ماشي من اليوم من والدينا ويعصره داكور قولي لي درك راه زادوا شويه فيها ولاو يديروا في روروشي دي شوكولا دي شوكولا في با في با دوك اللي يشوف با دو في اللي يشوف دي شوكولا دي نوفمبر دوك اي بالفون يا C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, il y a le chocolat. C'était plus simple. C'était plus simple. Et puis, il y a aussi les gâteaux. Les fameux gâteaux avec lesquels on reçoit avec lesquels on reçoit nos invités et puis l'Aïd El Kbir c'est différent par rapport à l'Aïd El Kbir c'est pas la même quantité non, et c'est pas les mêmes gâteaux surtout حاجه تاع العسل مقروط العسل ولا سامسا ولا باش يشربوا بها وفي العيد الكبير يشربوا بها لاتاي ما كاينش حد يدير العرايش وديري القنيدلات والزيريات نو نو هكذا كنا هكذا ديري كيما المقروط العسل اشبح الميده اشبح الميده جاتو بوغ ريسيفوار شبحي الميده ديالك يجيك الضيف ولا سيبي واش تحطي له دي سيغار ثاني حاجه معسلين تري بيان ان توكا سا ريست اون تري بيل فيت هاه نو فيت سون بيل جي انفي دير سي فري كون ا بوكو دو شوز ا فير مي سا ريست دو تري بيل فيت وي سي فري لي كوتوم تاعنا ما شاء الله يعني ميم في الدول العربيه عندهم بيان سور شاك تاعهم لو سود ديجا جي ابري اوجوردي ce matin par la télévision en écoutant une personne en disant que l'Aïd عندهم هما في السود كل يوم كبش d'accord OK on va en parler vous allez développer اللي عنده زيت كباش ولا معاك ماشي فين كل يوم كاين tradition justement on va continuer de parler de tout ça vous allez nous en parler monsieur Abdelnadjid Boumaza mais juste ce que je vous propose tout de suite c'est d'aller du côté de l'Espagne pour avoir avec nous en direct donc madame Rabia Djellal bonsoir comment ça va Eid Moubarak bonsoir Eid Alors, comment ça va? Comment vous avez passé cette belle matinée? Eh bien, bien après le mouton avec les préparations et en plus cet après-midi
avec deux belles femmes, la secrétaire de l'association et la, Sarah et Nora, elle participe avec nous avec ses bateaux. Oui, la connexion est un petit peu mauvaise. Alors, Rabia, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du rôle de votre association? Dans la promotion justement de nos coutumes et de nos traditions dans la ville où vous vivez. Oui, puisque vous avez beaucoup d'activités justement dans le cadre de votre association. Je suis passé plusieurs fois avec cette Elmoulouse, Midlayer. Ça fait pas longtemps que j'ai fait l'événement en tant que les Espagnols, je pense que c'est une très grande trace à Oran. Et on a toujours des activités avec l'aide des membres de l'association. Très bien, très bien. En tout cas, à chaque fois, justement, vous êtes présente et vous mettez en avant, vous valorisez, en tout cas, nos coutumes et nos traditions, bien sûr, avec la communauté établie à l'étranger, mais aussi avec les Espagnols que vous côtoyez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des gâteaux, là, de cette belle table que vous nous avez préparée? Elle va parler de la collaboratrice de l'association. Allez-y. Bonjour, Haït, bon, ça fait très bien, Inch'Allah. Voilà, alors, demain, je suis déjà en train de faire par exemple, l'aide comme une nature à l'Alliance, comme ma carotte, la femme Meïna, ma carotte, la ça se coupe. C'est on est gâté, on est ah, le beau cake design. Très bien. En tout cas, il y a de très beaux gâteaux. Quel est votre prénom? On n'a pas bien entendu votre prénom. Celle qui présentait les gâteaux. Nora. Nora, d'accord. Et le cake design, c'est vous-même qui l'avez réalisé avec le petit Kbichou? Est-ce que vous pouvez parler plus fort? On entend très très mal. Non. Malheureusement, la connexion est très mauvaise. On a du mal à comprendre ce que vous êtes en train de nous raconter. En tout cas, c'était Rabia Djellal. Merci beaucoup d'avoir préparé cette belle table, d'avoir préparé ces beaux gâteaux pour bien évidemment fêter ce premier jour de Eid al-Adha al-Mubarak en Espagne, là où vous vivez. Et donc, c'est des associations très actives avec des femmes qui vivent bien évidemment en Espagne et qui sont là quotidiennement, organiser de belles activités tout au long de l'année pour la promotion de nos coutumes et de nos traditions et puis perpétuer surtout ces coutumes et ces traditions donc au sein de la communauté établie à l'étranger et surtout avec les enfants, bien évidemment, de très belles initiatives, n'est-ce pas? Donc, moi, je vois que, à part le fait que la connexion ait été mauvaise, oui, dommage, on serait cru vraiment en Algérie. Hein. C'est ça. Il y avait ouais, tous les gâteaux, toute la... plus le mouton. Elle parlait du mouton aussi le matin, hein, ça a ouais, aussi voilà, été fait. Hein. Oui, mais vraiment, fait, ça fait plaisir fait, de voir que les gens partent à l'étranger et qu'ils gardent encore leurs traditions. Moi-même, d'ailleurs, j'en profite pour saluer mon frère et ma sœur qui sont à Versailles et à Toulouse et qui m'ont appelé ce matin pour me dire que tout se passait de la même façon. D'accord. Que le mouton va à l'abattoir. Oui, bien sûr. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, ils arrivent à faire toutes les traditions comme il d'accord, le faut. Quoi. Exactement. Voilà. Très bien. On va aussi peut-être parler de musique. Hein. On va continuer de parler de l'Aïd, bien évidemment. Oui. On va aussi parler de musique. Oui. Vous nous avez régalé tout à l'heure, monsieur Boumaza. Oui, on s'est fait suya Dora, la Ibrahim Khalil, ça, bien sûr. Exact. Al-Adha, il y a juste Illa Bihada, ou Masha'Allah, yani, Inch'Allah, Barkin Ad Alina.
لينا كل عام بصحه ولهنا ان شاء الله ان شاء الله. اي جوستمون vous êtes donc votre orchestre l'ACIL c'est ça et puis vous êtes dans le cadre associatif bien évidemment est-ce que vous pouvez nous parler justement de bon avant c'était de 85 à 2023 j'étais dans l'association des beaux-arts d'Alger c'est ça que j'avais formé pas mal d'artistes qui sont connus comme Manel Gherbi, comme Samir Ziryab, comme Kamel Aziz. Il y a eu pas mal de groupes qui ont fait pas mal de carrières dans le Wok, alhamdoulilah. Masha'Allah. Récemment, je viens de commencer avec une nouvelle association qu'ils m'ont sollicité. C'était le Fanoul Adam, alhamdoulilah, Tanit. Et la seule raison que j'ai commencé dans cette association, c'est parce que j'avais commencé à apprendre dans cette association les années 80-83. Mohamed Boutrich, et c'était mon souhait, puisque c'était mes débuts de cette association. اللي هما توفى محمد بوتريش ومصطفى بوتريش اللي كنت عندهم جيتي إلاف عندهم في لي زاني هادوك et puis je me suis dit bien évidemment être un élève et par la suite être un professeur dans cette association c'est quelque chose d'agréable pour moi parce que c'était quelque chose que je voulais alhamdoulillah bon j'ai fait une tournée de pas mal d'écoles pas mal d'élèves et ainsi de suite et des jeunes aussi hein. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à cette belle musique et avec toutes ces associations là on avait participé à pas mal de fêtes, d'échanges culturels, de festivités, alhamdoulillah, yani apparemment. Pardon, هكذا حاجه مليحه انه شغل الطالب ولا التلميذ ما ينساش الفضل تاع الاستاذ ديالو شغل يرد له الجميل ديالو باي طريقه الحمد لله لهذا حبيت يعني ندخل في هذه الجمعيه قلت انا كنت تلميذ j'étais élève dans cette association étant élève et maintenant je me retrouve étant professeur d'une classe qui était في les années 80 donc ça remonte à plus de 30 ans ça fait grand plaisir alors que notre souhait c'est de former qu'il y ait c'était mon souhait et alhamdoulillah il y a un suivi il y a quelque chose qui donne نتائج راهم تخرجنا منهم منها منال غربي منها سمي زيريا منها كمال عزيز اللي راهم دايرين يعني ضجه ودايرين فيلم وصلوا الطريق اي sans oublier que j'avais fait le jour de la en 2023 c'était l'idée تاع l'élève تاعي قال لي pourquoi pas on essaie de faire l'élève et le prof On est monté sur scène. Voilà, on est monté sur scène en 2023. C'était la journée de l'artiste avec Samy Zeryab. La continuité, l'istimararia. Je vous invite à aller rejoindre notre scène. Il n'y a pas de problème. Voilà, pas de problème. On va vous interpréter quelque chose. Ce que vous avez choisi de nous interpréter cet après-midi. Inch'Allah. Le temps pour moi de partager quelques dédicaces avec vous et commencer par celle de Mounia Gherbi, notre collègue qui souhaite une très belle fête de l'Aïd à son fils Ramzi et à ses garçons, Ramzi et Kenzi, que nous saluons cet après-midi. Et puis à sa maman Renia. Et à son papa Kamel, en tout cas une très belle fête à toute la famille, notre collègue et ami Mounia Gherbi. Et puis une autre dédicace de Faiza Zerouk de Paris. On lui souhaite une très belle fête de l'Aïd ainsi qu'à son mari Fouzi Saoudi. Voilà, et on continuera tout à l'heure. أهلاً ومرحباً
مرحبا باللي حضر
لحد الخدين والمدام عادي ما سيالة شعلت نار البين في قليبي ولهجت والا أبويا حنيني طاب قلبي من كل تلالة يا ربي توب عليا وابعد عن الغيار الحبايب راني مستغرب وسند معي كاسي عشت بلا طعام الوحش جار عليا الوحش جار عليا وبعد عن الغياب صاد العشية نتفكر بالديار يا ربي توب عليا وابعد عن الغيار عافاكم الله Merci beaucoup, Monsieur Abdelmajid Boumaza, yatek saha. Je vous invite à nous rejoindre encore une fois. Et puis, on va continuer justement avec la musique andalouse et avec le beau. Juste avant, on va repartir peut-être du côté de l'Espagne, vu que la connexion était très mauvaise. Au moins pour que ces jolies dames puissent un petit peu partager avec nous l'ambiance de l'Aïd Kbir. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ça haït comme, encore une fois. Très bien. Donc, peut-être parler un petit peu justement de toutes les activités, les belles activités de votre association, Rabia. Bon, notre activité, c'est. moi, c'est mon but de transmettre la culture algérienne en espace spécialement à l'école. Mm-hmm. Les activités, c'est les ateliers de halwa, de gâteaux. Oui, des gâteaux. Traditionnels, gastronomie, défilé de tenues traditionnelles. On donne les cours d'arabe, les dialectes algériens aussi avec. Avec Sarah. D'accord. Je lui donne la parole. Bien sûr, Sarah, c'est Aïdek. Aïdek Moubarak. Aïdek Moubarak, en cette occasion de Eid al-Adha, je présente tous mes voeux à l'ensemble de la communauté musulmane, sans oublier à tous les Algériens d'Alicante. Bien sûr. Très bien. Et justement, donc... Sarah, vous avez la lourde tâche d'enseigner cette belle langue, la langue arabe, n'est-ce pas? La langue arabe et aussi le dialecte algérien. D'accord. Pour les Espagnols qui veulent apprendre la langue, le dialecte algérien. D'accord. Très bien. Et comment ça se passe? Bien, alors, elle est intéressée pour les Espagnols comme un dialecte qui est un sens méditerranéen
qui est influencé par plusieurs langues méditerranéennes, comme l'espagnol, français et turc. Donc, elle est importante pour eux. D'accord. Et on vient avec eux. Voilà. Très bien. En tout cas, bravo hein, pour toutes ces belles choses. Et en plus, on ne donne pas que aux Espagnols, parce que le samedi dimanche, il y a Fenton, dans l'association, elle est prof, elle donne aux enfants de la communauté algérienne qui ne savent pas l'arabe. Très bien. Alors, mesdames, on va finir avec des vœux peut-être que vous voulez, à qui vous voulez faire passer, des vœux à faire passer pour votre famille, vos amis. Oui, merci beaucoup. Alors, je passe le bonjour au Saïd contre toute la famille de Mibarek, spécialement ma mère et mon papa. Voilà. Très bien. Rabia. Bon, moi, je souhaite un bon Eid à tous les musulmans. Mabrouk l'Aqouba l'Koul Aam, à ma famille, la famille Djelal, la famille Boubaker, la famille Rosalie, et aussi notre Chifa Al-Adil, ma soeur Al-Azika, qui est malade en Algérie. Allah yshafiha. Sarah, on finit avec Sarah. Oui, moi je contacte ma famille en Algérie, en particulier à Tlemcen, le lieu de ma résidence. Alors, pour souhaiter la tradition Eid Mubarak à ma famille et spécialement à mes parents, Hadib Abslam et Safi Fatima Zubra. Très bien, le message est passé. Mesdames, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour cette belle table que vous avez préparée. Et puis, nous aussi et toute l'équipe, nous vous souhaitons une très belle fête de l'Eid et muchas gracias. Merci, Lena. Adios. Voilà, donc belle ambiance. Hein, voilà. Vraiment une ambiance festive du côté. C'est ça, du côté d'Alicante. Voilà, dans le sud de l'Espagne. Donc je vais revenir à Nadia et parler. Mm-hmm. On va parler musique à présent. Votre beau parcours, vous avez un parcours riche, hein, n'est-ce pas? Justement, donc, je suis native de Mostaganem. Oui. Hein, j'ai commencé la musique en 79. Ça fait quand même bien longtemps. Exact. Ouais. Je suis passée, j'étais l'élève de Cheikh Moulay Ben Kreze, la Yerhmou. Et donc, j'ai fait la musique pendant très longtemps. Ensuite, je suis passée à l'Est aussi, où j'ai créé une petite association de musique andalouse, la première association. Biben Andalus. Et puis, là maintenant, je reprends ma carrière artistique. Et vous êtes aussi médecin de formation. Oui, je suis médecin esthétique, je reste toujours dans l'art. Ça, voilà. Oui. Et donc là, je viens de faire un passage avec Jezairi El Mosselia, la prestigieuse association qui est en train de reprendre vraiment le flambeau. C'est vrai. On a fait une magnifique soirée avant-hier. Hein, Et en parallèle, je fais ma carrière artistique. J'enregistre avec il y aura la prochaine. Justement, vous avez beaucoup de j'ai projets, des albums quand même. J'ai fait quand même. Oui, on les connaît. Hein. Oui. Et là, j'ai. Et vous avez toujours des projets. Oui. J'aime la musique andalouse. Là, les musiciens, on ne peut pas arrêter. Bien les sûr, gens. Bien sûr. Monsieur Boumazam me comprend. Oui, bien sûr. On a vécu toute notre enfance, notre adolescence au sein des associations avec la musique et tout. On ne peut pas s'arrêter, même si on a un métier à côté, mais ça reste notre passion, voilà. Très bien. Donc là, j'ai enregistré la Noubahsine avec M. Faisal Ben Khalfat qui va passer. Je suis invitée cette semaine, inchallah, le 20, à partir du 20, avec mon ami et chef d'orchestre de l'Mosselia, M. Mahmoud Hajali. Nous sommes invités à faire une présentation à Mostaganem. On a été invités, on est invités par mes amis et ma famille, les Benkrizi, donc Fodel Benkrizi et Faisal Benkrizi, l'association Ibn Beja qui nous invite pour faire une prestation là-bas. Enfin, on doit faire un hommage bien particulier. Bon, je laisse la surprise. Oui, parce que je ne peux pas tout dire. Sinon, vous reviendrez l'annoncer. D'accord. De toutes les façons, ça se saura à temps opportun. Exact. Et donc, il y aura une Noubahsine avec Faisal Ben Khalfat qui va être encore... ça va être, Inch'Allah, de belles choses. Bien. J'espère que ça va plaire aux auditeurs et aux fans et aux mélomanes. Oui, ça plaira sûrement. Ça a toujours plu. Inch'Allah. Ça ne va pas changer, surtout que vous donnez à fond. Je suis une passionnée de la musique. C'est vraiment Allez, vous nous faites un petit peu profiter de votre belle voix. Je ne sais pas si je dois passer là-bas. Non, bien sûr. Il va prêter son orchestre. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai vu que c'est des professionnels. Vous pouvez rester là et ils vont vous accompagner. Vous avez votre micro et vous avez tout ce qu'il faut.
Oui, voilà, vous avez votre c'est micro. C'est plus... non comme vous voulez, hein, c'est à... mettez à vous je à Je préfère, liste. D'accord. Pas de souci. Votre micro. Ah, mais il faut que je le déplace, là. Voilà, ah, c'est d'accord. Donc vous pouvez... il n'y a pas de là, souci, donc on va faire accompagner. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de vous interpréter? Le plus basique, là, je n'étais pas préparée.
Merci, merci beaucoup Nadia, merci. Alors, Monsieur Boumaza, avant j'allais vous dire, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre orchestre avec une autre interprète? C'est un honneur. Voilà, c'est un honneur. Eh bien, parfait, c'est parfait. En tout cas, c'était parfait. Bravo à tout l'orchestre AC. Et puis, tout de suite, ce que je vous propose, c'est d'aller du côté de la France pour retrouver un autre Skype. Et il s'agit de, alors, Nessiba Arab, voilà, qui est avec, Nessiba Larbi, pardon, qui est avec nous en direct. Est-ce que vous nous entendez? Salut Nessiba. Salut, Mouchrakoum. Aïdek Moubarak. كل عام وانتم بخير تعيدوا بالصحه ولا هنا يسلمك انتم زادا alors comment ça va comment s'est passée cette première journée de fête alors une journée pluvieuse ah d'accord une journée pluvieuse mais alhamdoulillah on essaye de créer l'ambiance festive hein. On est obligé ici on n'a pas trop le choix oui donc on se la crée nous-mêmes. D'accord, alors justement cette ambiance Nessiba, comment vous avez fait, comment vous avez préparé cette fête? Eh bien, alors déjà, il y a d'habitude toujours, hein, c'est très habituel chez moi, la veille avant de me coucher, de nous coucher, la table de la tasbah, la zine de konouajda. Exact. Donc, c'est un peu, même si c'est une corvée pour les enfants, mais on rentre déjà dans l'air du jeu. C'est vrai. La table, elle est prête. Après le matin, nous donnons prahwar. Donc, avec la fameuse toujours, c'est d'Abraham Khalil. Hadik Bissip, la zine de kon, ou la prière de l'Aïd, bien sûr. Mm-hmm. Et après, bon, on se drapera mutuellement Kamel. Et moi, j'ai la chance, parce que beaucoup ne l'ont pas, malheureusement, d'avoir ma famille ici. Donc, Kamel est un d'Ortiz, Kawam Aha Lachila. C'est très important, c'est le tarahim. Oui, c'est vrai. Et on va peut-être aussi parler un petit peu d'art culinaire. Oui. Alors, on a chauffé. C'est très, très important. C'est toujours l'aide de ici, comme ma cache qui m'a dit, c'est le tarahim, c'est le tarahim. Donc, on attend. C'est à l'extérieur, dans des établissements qui sont adaptés pour. Des abattoirs, donc on n'a pas avec l'ambiance à ce moment dans le show, tu aurais fait le devoir. Bien sûr, oui, voilà, l'ambiance. Donc en fait, on s'adapte un petit peu, c'est juste des grillades et des plats traditionnels. Par exemple, il y a qu'un bouzelof de rochetha, devoir en asbnoha. On a généralement le plat qui unit, qui réunit tout le monde, c'est le couscous. Moi, personnellement, je sais que c'est le couscous chez moi aujourd'hui. D'accord. Et justement, quelle est la spécificité de votre couscous, vous qui êtes chef? Alors, moi, mon couscous, c'est à l'aïd, n'habbo, belghilmi, et puis je le fais un petit peu d'une manière traditionnelle. En Kabylie, on marine le poulet. D'accord. Qu'on appelle Dweltesit en Kabylie. Ils déroulent le poulet, par exemple, le Fihinaïr. Donc, surtout, il faut boire un, faut que le mercant. Et moi, j'ai adapté avec la méthode et je la fais avec l'agneau. D'accord. Donc, en fait, je fais l'agneau à la vapeur, bien assaisonné, bien mariné et tout. Et indiquant donc les sucres qui tombent dans la sauce. D'accord. Généralement, un petit, vous savez, la souris d'agneau, je la mets dedans dans la sauce, mais toute la saveur, elle est en haut. D'accord, ça doit être avec bon ça. Avec des légumes, c'est bon.
Ça doit être très bon même. Oui, ben oui, ça va, c'est potable. Disons, c'est mangeable. Hein. Très bien. Eh bien, en tout cas, bravo. Et Yatek Sahai, à chaque fois, en tout cas, vous nous épatez hein, avec votre cuisine. Sinon, des projets, quels sont vos projets, justement? Alors, actuellement... Là, en ce moment, vous faites quoi de beau? Surtout, bien sûr, en connexion avec l'Algérie, bien sûr. Mais toujours, tout, vous allez me dire. En fait, mon cœur ne bat que par la que par c'est la ça, Chine, hein. C'est ça, on donc, le sait. Mes activités sont directement, indirectement... lié à la patrie, c'est comme ça. Moi, j'ai mon champ de bataille, c'est bien défini, c'est la promotion, exact. La promotion du patrimoine algérien à travers l'art culinaire. C'est ça. Et donc là, on vient d'organiser. Moi, j'ai été sollicitée pour représenter la ville de la Casbah par ses plats à la Mosquée de Paris. C'était un grand événement que l'association Fil de Culture intitulé. La Casbah et splendeur d'Algérie. Donc, on a eu la chance de découvrir 14 mai de la Algérois, donc avec leur ancien, parce que Nayash a tendance à donner le S12. Oui. Le S12 pour nos plats. L'original. Il faut s'approprier notre culture culinaire. Il faut la transcrire. C'est vrai. Et franchement, ça s'est très, très bien passé. Le lendemain, voici une présentation de Hrour Alger, donc Hrour Nefsa. Et maintenant, nous sommes en train de continuer toujours la caravane des saveurs d'Algérie à travers toutes les régions d'Algérie par le biais de sa cuisine. Donc, la promotion du patrimoine algérien est notre bâton de pèlerin. Très bien. En tout cas, bravo. Et puis, n'hésitez pas à passer nous voir, bien évidemment, quand vous serez de passage à Alger. Un petit coucou, peut-être, à votre famille, à des amis, à l'occasion de l'Aïd. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à présenter Gamé Vieux de l'Aïd à tous les Algériens, les quatre coins de l'Algérie, du fin fond du désert jusqu'aux montagnes du Durdura, à ma famille. Ma famille, je préfère ne pas nommer parce que je vais heurter certaines sensibilités, d'accord? Et en priorité, bien sûr, ma maman, le béton, la femme. Inch'Allah. Voilà. Et à vous tous qui êtes sur le plateau. Merci. Et voilà, vive l'Algérie et que sa culture et son patrimoine reprennent sa place. Bien sûr, tout à fait. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci avec d'avoir plaisir. Partagé ce moment avec nous. On vous souhaite une très belle fête de l'Aïd. La Qubal Kul Am, Inch'Allah. À vous ainsi qu'à toute votre famille. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup. Et à très vite. Voilà. Inch'Allah. Et puis, on va continuer avec quelques dédicaces, hein, celles qui restent cet après-midi. Alors, Nawal Abdelhamid souhaite une très belle fête. Abdelhamid Bouzid souhaite une très belle fête à ses deux petits garçons, Amir et Rassim, à son mari Anis et à sa maman Khadija, son frère et sa sœur Mohamed et Menira. Donc, on souhaite une très belle fête à toutes ces personnes ainsi qu'à son beau-père Abdelzer. Et puis, Radia Bouzid souhaite une très belle fête de l'Aïd à ses petits-enfants. Alors, elles sont nombreuses, j'ai envie de dire. Ania, Malia, Mélina et Nour et un seul garçon, Eliane. Donc, on leur souhaite une très belle fête de l'Aïd à tous. Et puis, avec mes invités, donc, une belle occasion. Oui, alors, Aïd Moubarak. Vous dites Snaifi, Halila. Bien sûr. Aïd Moubarak, les Algériens, à ma famille, la famille Alef, la famille Ghanem. والزوج ديالي خياتي خيوتي وسورتو وليدي وليدي امير وي امير باش يدهولك ان شاء الله الله يسلم ويقول له صحه عيدك وليدي مالغري راك في الصحراء ان تي كوكو ما ننساش ايضا حبيبتي في تولوز نسيمه قول مامين هي الزوج ديالها فريد وليداتها ولاد ولادها وكامل اللي يحبوني واللي يعرفوني ومي كوليك تاع سعم بوحمام بوزريعه تري بيان جو في كومونسي بار مسيو عبد المجيد pour vous inviter à aller justement clôturer cette belle قعده j'ai envie de dire donc des vœux peut-être Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est Merci moi. D'avoir partagé cette belle musique avec nous. Donc des vœux avant merci. De nous quitter. Moi de même, je vous dirais merci à Canal Algérie de m'avoir invité dans cette émission. Eid al-Adha, Dehwa, Inch'Allah, Inad Alina, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Alors je commence par
La troupe تاعي اللي la troupe الأصيل اللي لا assuré cet après-midi يسلمك bien sûr ma famille Boumaza la ma femme mes deux filles ma fille qui est en France Ebtissam bon maintenant elle est avec nous toute la famille Boumaza sans oublier les amis la famille la grande famille الجزائريين كامل باسكو الفنانين بزاف وحبابنا بزاف جو ديري ليكول اسنا تانيت اللي راني فيها نقول لهم كل عام وهما بخير ليكول نسمة فرح اللي تانيت جو سوي انسيان Et à la même occasion, je dirais au public algérien, nous avons un concert à donner le 27 à Maskar. D'accord. Et ça sera un festival de la musique andalouse. C'est la, oui, c'est la le Fennoul Adab qui va organiser, qui est organisé, qui a un concert là-bas. Et Inch'Allah, il n'a d'aller n'a pas ça. Merci à vous et puis merci, je vous invite merci. Bien évidemment à rejoindre la troupe. Merci. Et une autre dédicace, notre collègue Anissa Bouzid qui souhaite une très belle fête de l'Aïd à toute la famille Bouzid et à sa famille et à sa belle famille. Donc Quidri, à ses deux filles, Menel et Hind, à qui on souhaite une très belle fête et une très grande réussite, bien évidemment. Et puis, pour ma part, une très belle fête à toute l'équipe qui m'accompagne cet après-midi, donc la Régie 7 et le Studio 7. Merci d'être là. Et puis, une grande pensée à notre collègue et ami Zekia Siyamer, qu'on embrasse très fort de la part de toute l'équipe. Et on va finir avec Nadia. Vous nous avez régalé. Merci. Ben, voilà. Je vous dis très merci. Belle voix. Et puis, peut-être des vœux pour finir cette émission. Merci à toi, Lilia, surtout, qui avait vraiment tellement bien animé cette rada. Merci à l'orchestre de M. Boumaza qui a été très sympa de me passer pour un petit moment improvisé son orchestre. Voilà. Je dis Sahaïd comme à tous les musulmans. Je ne veux pas heurter la sensibilité de certains et je ne referai plus la bêtise de citer des mots. Ah oui, voilà. Voilà, des parce que j'ai toujours des problèmes après l'émission. C'est vrai. Donc quand même, je commencerai famille, ma famille, ma soeur en France, mon frère en France. Bon, il y a Emel, Hamed, Kassimou. Il y a aussi les petits neveux. Tous, je vous aime tous. Alors voilà. Comme ça, pas de jaloux. Donc, goul à mon fils Ilyes et à ma fille Lydia, et puis à toute ma famille, tous les proches et tous les musiciens. Inch'Allah, Rabbi doum ha swi'a. Inch'Allah, Rabbi yirham amwetna. Inch'Allah, yikoun sahab ghzan, khammou fihom, l'Aïd ma yjinach hlou. Inch'Allah, Rabbi yinsarhom. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et ce que j'ai oublié, vraiment, je m'en excuse. Merci, en tout cas, Sahaïd, comme encore une fois. Merci d'avoir. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu. Un petit coucou pour mes amis, très, très important. Voilà, aussi, famille et amis. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, nous vous souhaitons une très belle fête de l'Aïd. T'aïdou b'saha ou l'hna ou l'arbo bel koul am. Sinon, prenez soin de vous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous surtout. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi, toujours à 15h pour fêter et clôturer en apothéose cette belle fête de l'Aïd l'Adha. Au revoir. عن ممضى مع الحباب وفات لفي عن ممضى مع الحباب وفات ليام اللي مضاد ترجعيها
الأيام اللي مضت لا ترجع هيات والقلب اللي ولع ودع سلوانه سلوانه عقبني عقبني دزمان بقدوره ومحانه عقبني دزمان دزمان بقدوره ومحانه عشقي في الزين صاحة غيواني زاد جراحي وسبابي الهوى زينة الدواح سبابي الهوى زينة عطفو بسماحة جاوي مزور ومركاحي صابوني من ليعة الهوان نشوان بلا راح صابوني من ليعة الهوان نشوان بلا لهم صبت الراحة بواكم طاب فراحي أجي يا ولفين غدروا شي كيسان ملاح أجي يا ولفين غدروا شي كيسان ملاح لا تاس